Las Vegas. Original. Celui qu'on voit dans les films des années 60-70, avant qu'on commence à voir les casinos modernes. Et encore bien souvent, c'est plus ici qu'on voit les gens. Oula, il y a une tyrolienne. Alors ça, c'est Fremont Street. C'était une grande rue avec un spectacle là, au-dessus de nos têtes. Un spectacle qui a lieu, je ne sais pas, toutes les 15, 20, 30 minutes peut-être. Et voilà ce qu'on voit souvent dans les séries américaines. Bon, on regarde Las Vegas, original. Las Vegas historique. Et puis après, ils ont compté plus loin le strip qui n'est pas vraiment Las Vegas. Au final, Las Vegas, c'est ici. Cette rue a été recouverte de cet écran pour attirer un peu de monde parce que les gens, autrement, allaient tous sur le strip. Ça fait très exactement 450 mètres de long, cet écran, sur 27 de large. C'est un show qui dure plus de pendant 6 minutes, il est diffusé une fois de temps en temps. Il y a 250 enceintes de 550 000 volts qui diffusent la musique lors du spectacle. Il a fallu 12,5 millions de LED pour illuminer ce plafond. Un exploit que seuls les Américains savent faire. Et à mon coup, ils vont attendre le prochain spectacle. Ça part de là-haut et ça descend le câble et ben, dans tout Fremont Street. Il doit y avoir un simple arrêt au milieu et encore sur une façon si vous avez les jusqu'au fond. Voilà donc le Las Vegas original, le Las Vegas historique. Ça y va ou ça y va pas? Alors ça c'est une grande enseigne au milieu de la rue. Pour qui je sais pas par contre. Ah, peut-être pour faire même tour du club. Partout des pancartes ici. Là celle-là elle marque Vegas. Las Vegas. Et là, bon,
l'atmosphère. Et là, on est au bon temps, dans le centre-ville. Le Vegas qu'on connaît maintenant et qu'on voit un peu dans les séries américaines ou à la télé, ben c'est là-bas, c'est en banlieue finalement, le centre-ville. C'est ici. Le spectacle, il commence pas. Thank you.
Et voilà, c'est terminé. J'aurais bien aimé repasser les avions. Et je crois que c'est un spectacle différent à chaque fois. Là, on va finir notre balade sur Fremont Swiss Experience. On va essayer de retrouver un taxi pour rejoindre.